Allez, bonjour à tous. Salut Justin Garnier. Monsieur Jordan également nous a rejoint pour ce gros match, grosse demi-finale de l'Open du TCM5 P1000 entre Bergeron Blanquet au service Joe face à la paire franco-espagnole Salinas Lepens. Lepens tout au fond à gauche en blanc et noir et tout en noir à droite Salinas le gaucher. Pauline, Pauline. Tandis que nous avons Patrick Fouquet qui nous a rejoint. Patrick Fouquet, le sélectionneur de l'équipe de France de paddle, dames et messieurs. Bonjour Patrick. Patrick qui sera présent au P1000 fin août de Lyon. Il sera là pour superviser les joueurs de l'équipe de France et joueuses. Tandis que Benjamin Jennifer nous dit qu'il s'agit d'une grosse demi en perspective. Oui, effectivement. Ça a déjà commencé depuis 5 minutes. J'attends qu'il se chauffe un peu là. C'est bien. Alors, au niveau du score, on en est à 1-0 Blanquet-Bergeron. Ah, break d'entrée, pardon. Break d'entrée? Oh là là, d'accord. Bon, ben voilà, heureusement que le public qui est très nombreux, en délire également, tout autour, vient de me corriger. Donc break fait 1-0 en faveur de Lepens Bergeron. Alexis Carton qui est là et qui nous dit
qui sera là pour la finale. Eh bien, superbe, on t'attend. Nawel nous rejoint. Baptiste Poy, salut. Allez, break confirmé 2-0 maintenant en faveur de la paire franco-espagnole. Tandis que Pierre Gauthier va venir nous rejoindre d'ici quelques instants. Il se repose de sa dure demi-finale. Oh putain! Ah, ce Bergeron, il est incroyable, hein. Ouais, ouais, Alexis Carton, le MacGyver du TCM5, capable de faire des miracles, qu'il a prouvé ces 2 derniers jours. Donc pour le score, on en est toujours à 2-0, break fait pour la paire franco-espagnole. Oh là 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 là. Allez, ils reviennent à 2-1, toujours avec ce fameux break, et tandis que Pierre Gauthier nous rejoint. Bonjour à Salut tous, Pierre. bonjour Franck. Bon, bon, on est au début du match là, tu en penses quoi de Écoute, ce début de match un petit peu, de cette j'ai pas trop vu opposition? les deux premiers jeux. J'ai pas trop regardé. Je pense que ça va être un très beau match, très équilibré, hein, avec Johan et Bastien qui progressent énormément en ce moment. Et puis ben Rosset qui a le sens du jeu, hein, donc ça va être très 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 beau match. Alors, on a vu là depuis le départ qu'ils avaient tendance, Salinès le pense, à jouer en haut, à pas mal lober, peut-être plus que d'habitude. Ben, Rosset est vraiment utilise énormément le lob, hein. Il est capable de changer même sur des balles basses en retour, enfin quand la balle touche la vitre et que la balle est basse, il est capable de passer dessous et de lober, donc de prendre les joueurs à contre-pied beaucoup, qui essayent de coller. Donc il utilise énormément le lob. Bon, le panse, c'est pas un manchot non plus, hein. Oui, je m'en voulais de ne pas avoir fini sur le pense parce que il joue très bien et je sais que depuis quelques semaines là il s'entraîne beaucoup avec Rosset donc il va encore beaucoup progresser. Et c'est vraiment une très belle équipe, hein. Par contre là le poteau au milieu qui gêne déjà deux fois Bastien sur des balles qu'il a normalement assez facilement. Que le danger là pour Johan et Bastien va être de vouloir éviter trop Ah Rosset oui. qui va être capable de prendre du coup le centre avec sa volée de coup droit et va voilà il faut jouer beaucoup comme vient de faire Bastien là Ah, beaucoup bah, filtrer d'abord écoutez, ils t'ont Rosset écouté, hein? voilà Ils t'ont écouté. parce que autrement Rosset quand il prend le centre avec sa volée de coup droit après le pense va être sur un quart de terrain donc très facile pour lui quoi. Alors, c'était quoi l'autre demi? Justement, on a le vainqueur de cette demi-finale, Pierre Gauthier,
avec Pierre-Étienne Mourillon. Il jouait face à David Mioteau et Jean-Yves Levrat. Et vous les avez battus, donc 6-4, 6-4, 6-4. 6-4, c'est ça. Donc ils sont qualifiés pour cette finale. Ils joueront contre le vainqueur de cette autre demi-finale. Ah, tu as le bonjour d'ailleurs de Monsieur Pélissé. Ah bah Voilà, bonjour JP. le joueur du club du MAS de Perpignan. Donc très content de le voir revenir notre JP Ouais, après revenir sa aux blessure. affaires. Ouais. Ah, Mathieu Lapouge, come on les All Blacks. Ouais. Ah, on parlait de lob, bon. Ouais, pas toujours Elle maîtrisé. est un petit peu devant, hein, j'ai l'impression, Ouais, en altitude là. Lali qui encourage Lolo. ouais, ça c'est très bien joué, hein. Très bien joué de la part de Bastien. Alors, deux questions. D'abord, premier constat, hein, de Alex Luffy. Dès que Pierre ne joue plus avec Ferrandez, il gagne. Hein. C'est pas gentil pour Jérôme parce qu'on joue vraiment de mieux en mieux ensemble. Salut Guillaume, Guillaume Oliveira, le Parisien. Salut Christian. Simon Guyet également est avec nous. Lobé ça. Alors c'est Jérôme, hein, Super. qui nous a rejoint et qui demande ce qu'a Justin. Alors Justin Lopez s'est blessé à la cheville, une entorse a priori. Ouais, a priori une entorse, je crois qu'ils se sont marchés dessus, Max lui a marché dessus sur une balle au milieu. Et En retombant, il est marché sur le ouais, pied ou la cheville c'est ça. de Justin. Ouais, très bien joué là de par Johan hein, qui bloque au centre. Voilà, ça c'est vraiment le genre de coup qu'il faut faire hein, absolument. Encore le poteau là. Bien joué ça. Les échanges vont commencer à s'allonger, j'ai l'impression là. Tiens, monsieur David Carmona nous a rejoint, que tu connais peut-être, non? C'est le responsable du club de Casa Padel en région parisienne. Non, j'ai pas eu le, je crois encore le plaisir de le rencontrer, mais Il vient vérifier, voir ses poulains. voilà. D'ailleurs, j'allais dire ses deux poulains, hein, puisque Ross et Louis Va travailler avec va eux, ouais. bosser voilà, pour Casa Padel avec le responsable sportif qui est. Oh, y a... Monsieur Le Pense, ah, y a grosse faute là. Dommage là. Dommage. Crois qu'ils ont un très beau club hein, à Paris là qui vient de s'ouvrir. C'est bien de voir des projets comme ça s'ouvrir. Ah, Rose Emmanuel, que tu connais peut-être, non, Rose Emmanuel, qui est l'un des directeurs du centre, les responsables du centre de Casa Padel. D'accord. L'un Je de connais ceux. peut-être, mais j'ai un Ouais, gros peut-être. souci avec les noms. Donc, si tu me poses les questions comme ça à chaque D'accord. fois, c'est que je vais Pardon. souvent passer pour. Non, non, non. Mais Mais tu le c'est. connais certainement de Ouais, vue, en tout cas, je bien suis plus sûr. physionomiste Voilà. que. Bien joué ça. Mais c'est un Allez. mythe. Il Très bien. reste en contact, hein, les cocos. Un schéma tactique aussi bien, hein, où Johan serre dans la vitre et Bastien prend le long de ligne là en claquant. Avez les scores à l'écran, hein. Donc 3-2. En faveur des visiteurs, vous le voyez à l'écran, donc les visiteurs ce sont Le Pen Salines qui ont toujours le break d'avance. Ils ont breaké dès le premier jeu. Et puis on a Bergeron Blanquet qui est derrière mais qui colle. Je pense qu'il y a un petit peu de tension dans ce match parce que je me rappelle d'un match à Bois d'Arcy entre Bastien, Johan et Rosset qui avait été Ah assez oui, tendu sur la fin. ouais. Ah oui, ça avait été très 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 chaud et très très tendu, chaud, donc je pense ouais. qu'il y a quelques restes de ce match-là. Bah, d'ailleurs, c'est bien que tu en reparles parce que finalement, si on fait un petit bilan là de notre paire française, sur 6 pmil,
ils ont remporté les 4 derniers P1000 et les deux P1000 qu'ils ont finalement, où ils n'ont pas été au bout, ils ont perdu en demi-finale face. Enfin, il y avait forcément un Espagnol dans la D'accord, paire d'accord. qui avait face à eux. Ouais. Et là, tu parlais du club du P1000 de Bois d'Arcy, C'est ça. où effectivement ils avaient joué. Donc, je crois que c'était José Luis Salinas. Alors, contre, je me souviens plus du Avec partenaire qui jouait. Jérôme, justement. Ah, Jérôme, c'est pareil, quand il joue pas avec moi, il gagne. ah voilà, Voilà. d'accord. Donc, Jérôme Ferrandez qui jouait avec Salinas, d'accord. Ouais. C'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que Johan et Bastien, là, sur le niveau français en tout cas, Ils sont au-dessus pour l'instant, ce sont eux les favoris en tout en tout cas. cas, ils montent vraiment en niveau Ouais. rapidement en ce moment. Pour toi, les favoris des championnats de France de padel? Je pense que c'est eux, je pense que c'est eux, parce que c'est en plus dans 2-3 mois, ils vont encore progresser. Je trouve qu'ils ont vraiment une superbe, une belle homogénéité là ensemble. Allez, une troisième balle de perdu. Voilà. On va faire du air paddle bientôt. Ouais. On n'a pas encore terminé ce premier set que on en est déjà à 3 balles de perdu. Ouais, c'est bien, beaucoup. Ouais. Alors, il y a Rosé hein, de Casa Paddle qui nous rappelle va y avoir une très grosse journée de Très paddle. bon retour là. Ouais. Pardon, Franck. Non, 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 mais tu as priorité au direct. Ouais. Très bon retour, la volée de revers de Rosset, là, très bon retour de Bastien. Qui a un coup difficile. Pardon. Non, je reparlerai au changement de côté. Mais on t'oublie pas, Rosé. Faut parler de l'actu aussi. Ouais. Superbe. Non mais c'est vraiment extraordinaire. Hein. Donc, alors c'est vrai que c'est une question que je me pose. Pourtant, je l'avais vu plus matcher en indoor lors du dernier P1000 du mois dernier, la semaine dernière. Et là, une nouvelle fois, Bastien ne se matche pas quand il pourrait se matcher. C'est ça qui m'étonne. Lui qui on le connaissait avant qu'il aille en Espagne, il se matchait énormément. C'était un gros matcheur. Et là. Pour l'instant, il n'a pas encore. Ouais, je C'est une pense question que. d'ailleurs, beaucoup de joueurs se posent, enfin disent à peu près la même chose. C'est une question que je pose, même s'il a évidemment un jeu plus posé, donc ce qui est très intéressant. Mais... Alors, je pense que c'est le fait effectivement de jouer en Espagne. Ce qui se passe quand même en Espagne, c'est que les joueurs sont. Si vous voulez, en France, on a Bastien qui sort très bien et qui est capable, quand on fait des smatchs et qu'on sort la balle, quasiment un gros pourcentage du temps, Bastien va nous contrer en sortant et en jouant dans le filet. Et je pense qu'en Espagne, ils sont tous capables de faire ça. Donc le jeu vient à se matcher vraiment après avoir bien travaillé le joueur pour le bloquer au fond, quoi. On ne peut pas se matcher comme ça trop tôt parce qu'on s'expose à des sorties et à des contres assez régulièrement. Et là aujourd'hui, Bastien, il joue quand même Rosset qui est capable de sortir. Le pense qu'il sort bien, il l'a fait hier. Donc je pense qu'avant de frapper fort, alors à part sur des balles faciles comme ça, hein, bon voilà, là elle est ratée, mais autrement c'est le jeu, et de frapper plus droit devant, hein, fort droit devant, que d'essayer de sortir les balles. Franchement, avec des défenseurs comme ça, on s'expose à beaucoup trop de contres. Superbe. Et Francis Romanowski, hein, parce qu'on parlait peut-être la meilleure paire française aujourd'hui, en tout cas favori pour les championnats de France de paddle. Francis Romanowski, qui est le père
de You, D'accord. et qui dit qu'il faut pas enterrer Robin. Bien entendu, je crois, enfin, on l'enterre pas, hein, c'est juste Bon, là-bas, il joue que, pas, donc ouais, il joue pas, voilà. Non, il y a d'autres équipes, hein. Après, on peut parler d'eux comme favoris quand même. Après, bien sûr, il y a des équipes comme SCAT. Enfin, Robin ne joue pas, ne fait pas partie, ne joue pas les championnats de Ne joue France. pas la France, bien sûr. Donc, et on parle des joueurs qui participeront évidemment. Oui, tout à fait. Mais Après, il y a plein de bonnes équipes quand même, hein. SCAT et Jérémy Ritz vont être une très bonne équipe, etc. Maintenant, je pense quand même que Johan et Bastien, sur ce qu'ils montrent en tout cas ces derniers mois, vont être favoris. Mais c'est pas toujours les favoris qui gagnent. Allez, on a Monsieur Justin Lopez qui vient de nous rejoindre. Justin Lopez qui sera peut-être un des outsiders s'il arrête de se blesser. Ah. Allez, on repart juste un petit moment de Casa Paddle pour vous dire qu'il va y avoir une très grosse journée de paddle ce samedi, enfin samedi prochain. Avec de grosses surprises, une journée ouverte à tous. Il va y avoir notamment l'un des coachs. Alors c'est une surprise, donc j'ai pas le droit de citer son nom, même si je pense pas que ça parlera, mais fait partie des plus grands coachs au monde. Un coach Adidas. Il n'y en a qu'un seul. Donc Combien de maintenant il tournées faut. encore? Voilà. Ah, dommage. C'est très bien joué là. Pélissé qui dit à Justin d'arrêter le McDo. Superbe. Bien joué. Donc pour le score, on en est à 4-3. Hein. Toujours avec ce break. Superbe. Parfait, hein. Il voit Johan qui est au milieu, là, il lui met un smash dans les pieds. Pile dans la bonne zone. Vraiment un des points forts de Johan, hein, qui est capable de faire très très mal en ce match et de frapper très fort. Est-ce qu'on peut dire qu'à droite, Joe est le plus offensif des joueurs de droite? Je crois que c'est Ah, c'est certain, certain. c'est certain. Alors Le fait. j'allais dire le meilleur. Enfin, ça c'est très personnel, mais bon, je. Oui, moi je le trouve très bon aussi, hein, En France, hein, au quand niveau en je. France, bien sûr. Ouais. Après, encore une fois, il y a Robin aussi qui est très bon, mais c'est vrai que Johan a cette Ah oui, avec qualité, Robin, tu as voilà, raison, a cette je qualité mets. de pouvoir faire très mal. Qui est aussi le cas de mon partenaire d'ailleurs, de Jérôme Ferrandez, qui est Jérôme Fernandez, capable, oui, qui a une qui est grosse très. force de Ouais, frappe. ouais, 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 ouais. C'est ce que j'allais dire qu'ils avaient un jeu. J'allais dire similaire. Oui, Ah, un c'est petit peu. Oh superbe. putain! Superbe, superbe. Superbe point et superbe défense. On voit, hein, la qualité là de rester Extraordinaire, extraordinaire. tranquille, hein, de continuer à jouer tranquillement en préparant son point. Je trouve d'ailleurs que la qualité de Joe est vraiment de savoir passer de l'un à l'autre. Hein.
C'est quelque chose qui est difficile. Il sait être très agressif quand il faut, mais il sait être très posé, très calme et très patient la plupart du temps. C'est vraiment un mélange. Trouver l'équilibre entre patience et agressivité qui est important au paddle. Y a Joe qui dit fais-les jouer et fais-les jouer à la volée. Ouais, ouais. Ouais, là il prépare très bien, il prend son temps. Il aurait pu peut-être claquer plus sa volée de coup droit, mais il prépare vraiment son point. Il prend le temps d'avoir vraiment une bonne balle facile. On a tendance, nous, à jouer beaucoup trop vite, trop tôt. Superbe. Oui, illustration de tout à l'heure, là, il va préférer hein, fixer 2-3 fois au centre, comme ça, sur des petites balles comme ça, et attendre que le défenseur reste au fond pour frapper, vraiment. En fait, ce que je voulais dire, c'est que finalement, depuis le début du match, il y en a un qui se matche plus que l'autre. Mais c'est pas celui qui est censé se matcher le plus souvent. C'est ça que je voulais dire. Parce que c'est vrai qu'on a un commentaire. Le joueur de droite se matche plus que le joueur de gauche. En parlant Dans de Bergeron l'équipe, Blanquet. oui, ouais, d'accord. Et effectivement, c'est plutôt atypique. En général, c'est plutôt le joueur de gauche qui se matche plus que le joueur de droite. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vraiment ça dépend, parce que là on voit hein, Bastien qui prépare très bien le point avec des petites balles au fond, et quand Johan voit que le pan est un peu bloqué dans la vitre, là, même si c'est lui, il va frapper, mais Bastien le fera aussi, je pense, hein. Il frappera au moment où il verra que le pan est bloqué dans la vitre, au fond. Et avant ça, il va attendre, il va patienter et préparer son point. Alors 5-4 en faveur, service à suivre D'accord. en faveur de Le Pense Salinès, donc il sert pour le set. Voilà, bonjour à tous. On a Ah, t'es équipé maintenant, t'as des caméras, t'es un vrai on studio, a ah bah elle a disparu. un vrai Vas-y, studio, c'était caméras partout. les caméras partout. Ouais. Aïe! Bon, Pauline, non, je dis tout. Ah. À nos viewers, Pauline me mange le bras. Bon. Parfait. Oh. Oui. Ouais, super. Bien changé, hein. Il voit Bastien qui est au centre. Et beaucoup de volées au centre. Superbe. C'est vraiment l'avantage de jouer avec un gaucher, hein, c'est que ça bloque complètement le jeu au centre, qui est normalement là où on doit passer beaucoup. Et là, on voit un Rosset qui prend tout en coup droit, là, dès que c'est au centre. Dis donc, une défense là de la part de Bergeron Blanquet, c'est Ouais, impressionnant. superbe. Oh. Julie Deroux, la partenaire de Pauline Renvoisé, championne des Yvelines, mon cher Pierre Gauthier. Julie Deroux qui intervient et qui dit Popo la plus forte. Bon, sur ce week-end.
pas vrai. Ah, c'est chanceux là. Ah ouais, là, Deux là volées c'est ratées. boisé, je sais plus jouer avec la. Balle de 7 là, c'est ça? Oh là 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 là. C'est une faute qui coûte très cher. Ouais. Je pense même que Bastien est encore un peu gêné par ce poteau au milieu parce qu'il aime bien passer la raquette pour mettre la balle dans le filet. Là, il n'a pas pu. Bon, il y a quand même beaucoup de terrains hein, qui ont ces poteaux au milieu Ouais. et surtout en indoor pour le vent, pour des. D'accord. Donc on voit. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans les projets où il y a des architectes, ils obligent presque À mettre des. à mettre des poteaux, en tout cas que la structure soit le plus Le costaud, plus solide le plus possible. solide possible. D'accord. C'est vrai que pour le jeu, c'est un peu dommage parce que. Ouais. Mais bon. Vaut mieux quand même que le terrain reste debout. Voilà, exactement. Et puis bon, Ouais. évidemment, il s'agit de quelques joueurs capables de faire ça, Ouais. faire ce genre de coup. Donc, bon. C'est vrai que là, je pense qu'il aurait eu possibilité de faire un coup gagnant. Ah, Thomas Morin, qui intervient. Et qui nous dit que c'est la voisine qui risque d'être contente. J'imagine que tu dis ça pour toutes les balles qu'elle a reçues sur son balcon. Parce qu'en effet, rien que sur le premier set, on a perdu 3 balles, je crois. Jérémy Ritz te félicite pour ta finale, mon cher Pierre. Merci, Jérém. On a fait un super match contre eux la semaine dernière là. C'est vraiment régalé à Toulon. Et Jérémy a été fidèle à lui-même d'une solidité implacable. Lucas Dubourg nous a rejoint également, le Parisien, qui a joué, je crois, très récemment avec Monsieur Sébastien Guay au Big Four. Alors, excusez-nous, hein, peut-être pour il y a des endroits qui sont plus ou moins lumineux sur le terrain. Du coup, c'est pas évident. Voyez. Ouais, Voyez, ah ouais. oui. Ah ouais, il y a quelques. Parce qu'il y a pas mal d'arbres en fait. Donc le terrain n'est. Enfin, les conditions sont excellentes hein, dans ce club-là. Le Ah oui, bien sûr. Ah l'ancien bah nouveau là, c'est paddle un là est vraiment super agréable. club. Ouais. Qui a été aménagé avec de la moquette partout. Un gros effort du club. Ah, le Bastien, j'aime le voir se matcher. Ouais, Ah, voilà. je l'aime Sauf vraiment. que s'il a Bastien en face de lui, il perd le point là-dessus. Ah oui, voilà, oui. Oui, Bastien contre Bastien, Bastien contre Bastien Bastien, contre il y a Bastien personne qui se match. ou Laurent Boulaz Ah oui, ou d'accord, Maurice oui. Catena, là, il perd Ouais, le point là-dessus. ouais, ouais. Allez, maintenant, il faut faire un début plus costaud qu'au début du premier set. Tout de suite rentrer dans ce deuxième set. Six-quatre en faveur de la paire franco-espagnole Julien Melo. Alors, Benjamin nous dit que la paire française va remporter ce match. Bon, on verra si tes pronostics sont bons. Superbe Bandera de Jo hein, qui fait vite latéral, vite du fond et qui oblige José à venir prendre une balle très basse. Superbe.
ça que tu regardes là, des fois où tu réponds? Comment tu vois ça? S'il y a des gens qui... Ah là, c'est... T'es pas sur une volée facile pour ouvrir des angles comme ça. Elle était assez basse. Superbe, superbe défense de... Il a énormément progressé là-dessus aussi, hein. La capacité à prendre derrière lui et à jouer avec sa vitre, Johan, en défense et de relober très très bien là comme il vient de le faire. Un mélange de Zorus en défense. Ça se durcit un peu là des deux côtés. Voilà. Tour qui a touché le grillage. Ouais, très bien joué dans les zones au centre là pour neutraliser. Dommage Bastien là, un petit peu en retard. On les sent pas complètement libérés là, Johan et Bastien, notamment sur leurs lobes là qui sont encore assez courts. Et plutôt des lobes de défense. Pas vraiment des lobes d'attaque. Alors mieux lober que ça, face à Le Pons et Salinès. Ils sont deux très bons smatchers. Des lobes bien meilleurs hein, de l'équipe Le Pen Saline. Bon là, Bastien est très fort là-dessus, voilà. Donc ça, sur les zones au centre, comme ça, en retour de vitre, il est très dangereux, il est capable de toucher quasiment toutes les zones. Et c'est très dur pour le voleur de gauche. Ça peut venir très vite au centre, très vite dans l'angle, comme on vient de voir. Là, ça va être une deuxième là, encore. Ah, là, il a touché le grillage, donc il ne peut pas contre-attaquer. Longue cela. Ah, superbe. Grillage reste une arme vraiment utile. Ah, très bon lob encore. Ouais, parfait qui touche le grillage.
Putain, là, il a fait un entre-deux, là. Voilà, parfait. Bien, bonne préparation du point de Bastien. Il finit par avoir un smash facile. J'ai l'impression que Bastien n'est pas encore totalement libéré. Je pense qu'il pourrait monter en niveau au fil du second set. Ça va être nécessaire d'une manière parce que pour l'instant ils ont un peu du mal à prendre le dessus. Et aussi la relation Rossé-Le Pence qui va être importante si ça se tend un peu. On sait que Rossé peut mettre beaucoup de pression. Pas forcément mettre son partenaire dans les meilleures conditions. Ça pourrait être aussi déterminant si le score devient serré. Voilà, très bon retour. Bien, ils sont montés bien tous les deux ensemble après un super. Ouais, superbe. Très bon retour dans les pieds de Johan et les deux qui avancent, hein, contre-attaque sur le retour. Quand les deux le font bien et avancent en même temps, c'est très payant. Problème, c'est que des fois, il y en a un qui reste au fond. Et là, c'est embêtant pour celui qui est monté. Ah, là, il y a une rafale devant, là, on l'a senti même là où on est. Encore des petites fautes, hein. Provoqué là, qui font pour l'instant une petite différence, je trouve. Encore une faute, hein, quand un lob fait beaucoup là, trois fautes, il y a deux fautes non provoquées, un retour manqué, ça fait beaucoup sur pour espérer inquiéter Salinas, le pense. Très bien joué là. Petit manque d'agressivité peut-être sur la volée là. Attention là, ça va être le moment de pour Bastien de rentrer dans la partie complètement. Sous peine de sanction. Ouais, vraiment, ça c'est vraiment quand même. Bien agréable hein, d'avoir un smasher comme ça à droite.
casse pas la tête, hein. Il tape très fort sur la vitre du fond pour que la balle remonte très haute. Ne puisse pas être défendu. Ça, oui. 3-2 pour Salines Le Pense. 1-7-3-2.3-2, Bastien Bergeron, pardon. Exact. Pas de break. L'équipe Paddle Magazine est partout maintenant. Veille au grain. Il y a du monde partout, des caméras partout. Voilà. Ah, Bastien a raté le filet en fait. Il a voulu se matcher dans le filet. Il est passé juste au-dessus du filet, du coup il l'a pas touché. Du coup, point pour Le Pense Salines. Dommage, hein, c'est. Bastien a cette faculté quand il sort de. Bon, il y en a d'autres, hein, mais lui est très fort là-dessus d'avoir le temps de décider là où il va jouer. Pas le cas de. Beaucoup de joueurs en France. Ouais, ça, c'est volé de coup droit de Salines au centre, là. C'est pas facile à défendre. Je connais, j'en ai pris quelques-unes. Le Pense est très à l'aise au filet, hein. Très bon réflexe, mais très vite. En volley-volley, c'est pas simple. Aïe, encore une petite faute là, qui coûte cher là. Ça va commencer à coûter cher là, oui. Je vois une qui peut-être de se calmer ou de prendre son temps plus. Et c'est vrai que c'est un des gros points forts de Bastien d'être capable de taper très fort là-dessus, mais à ce moment du match là, ça.
Ouais, très bon réflexe, ça. Très bon réflexe, parce que Rosset avait bien pris le sans tomber de coup droit et réflexe de Bergeron, excellent. Là, ce que je vous dis, hein, on sent le reste du match de Bois d'Arcy là. Rosset qui crie énormément sur la faute de Bergeron et qui touche au but en énervant un peu Joanne. Du coup, break pour Salinas Le Pens au deuxième set là, un 7-4-3, 6-4-4-3. En laissant un petit peu, j'ai l'impression un peu perdu là. Bergeron blanqué, pas vraiment de solution. Alors, plus énervé de ce qui vient de se passer que de réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour corriger. Alors quand même j'étais à côté du terrain là et j'ai entendu, enfin, j'ai entendu Joe Bergeron dire à Blanquet, il faut pas les laisser gagner, il faut pas les laisser là, ils sont en train de Se bouger là. se bouger là. Là je D'accord, crois je pense que que ça va être nécessaire, mais ça va être c'est ce que nécessaire là. je dis depuis 2-3 jeux là. On sent quand même Bastien qui fait quelques fautes non provoquées et du coup c'est difficile. Quelques mauvais choix aussi de temps en temps. Là encore un retour facile hein, qui est. Puis Rosset a son habitude, qui sent bien que qu'on rajoute un peu, on va dire. Bah, belle défense là de Bastien, parce que la volée était vraiment écrasée, très basse. Allez, 15A. Attention! Ah là là, ouh là là. C'est ce match est un peu. Là on a. Ouais, superbe. Quinze trente. 4-3 Salines le pense. 15-30. Là, on voit clairement en fait hein, le problème de ce qu'on disait au début du set là, c'est qu'il pilonne Le Pens. Rosset est quasiment au milieu du terrain et Le Pens joue sur un quart de terrain donc il est dur à déborder. Peuvent plus passer par le centre. Et Le Pens sur un quart de terrain devient, étant déjà très bon sur un demi-terrain, devient excellent sur un quart de terrain. Voilà, là il faut vraiment jouer comme ça un petit peu avant de revenir là. Parfait. Oh, c'est superbe. C'est superbe. Balle de break. Bon, ça confirme ce qu'on pensait, c'est que Bastien était un peu en retenue pour le moment. Et il essaye de sortir les chevaux. Ah, Oh c'est vrai que là là!
très bon débreak de Bergeron Blanquet au bon moment, on va dire. Ouais, et mais je peux te dire que la petite discussion qu'ils ont eue juste avant d'entrer sur le terrain, elle a dû faire quelque chose. On les a sentis là en train de se De motiver, viser, mais de se booster, dans le bon sens. dans le bon sens. Ah là, c'est indispensable, Et là, c'est c'est vrai que pour ça l'image. les embêtait, je crois, vraiment de perdre en 2-7. Puis effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont envie de gagner ce match, hein. Alors, faut faire attention parce que quand on se pousse comme ça en adrénaline, là, comme vient de faire Bastien, voilà, là, c'est très bon. Faut faire attention derrière, hein, de bien rester concentré parce qu'on peut faire monter les pulses un peu haut et perdre un peu de lucidité. Parfait là, superbe, superbe. Quatre partout, 30-0. On aime bien de voir. Enfin, moi j'aime bien voir Bastien aller se lâcher là, comme ça là. C'est vrai que ça nous manque. On sait qu'il est capable de gueuler un bon coup. Ouais, je pense que toute la difficulté est là, hein, c'est qu'il faut à la fois Ouais. être agressif, intense et en même temps lucide. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Enfin, je veux pas. J'ai une question à te poser là sur la balle, sur la volée de Joe. Il y a quelques jours, sur des commentaires, il y en a justement qui posaient cette fameuse question, la volée qui était faite par Joe. Elle est limite côté terrain. De Salinas le pense. Bon, est-ce que au cours d'un point ils peuvent s'arrêter et enfin le pense Salinas et dire non non tu as joué t'as volé de notre côté du coup t'as balle et faute. Ah, je pense, hein, je pense qu'ils peuvent. Hein. Bon, le problème c'est qu'il n'y a pas de replay, ils peuvent C'est pas, compliqué. tu vois, c'est Ah, pas évident. c'est Là, je pense compliqué. par exemple, sincèrement, qu'il s'est fait un petit peu avoir. D'ailleurs, il s'en est rendu compte Ouais. en stoppant son bras, mais Ouais. Tout à voilà, fait. Le je problème qu'il y a, c'est que là, tant qu'il n'y a pas d'arbitre ou de replay, comme tu dis, c'est compliqué d'aller dire, à moins que ce soit vraiment évident. Mais c'est compliqué d'aller dire au joueur qu'il a tapé, il a passé un peu la raquette du côté du filet, quoi. Mais c'est un thème qui revient souvent, hein, cette fameuse, parce que parfois c'est vrai que c'est tellement ça, la balle nous appelle, on n'a pas envie d'attendre Oui, que la balle vienne c'est de notre sûr. côté, et nous-mêmes, c'est pas évident, et c'est vrai que c'est un thème qui revient souvent, à savoir est-ce qu'on peut prendre la balle un petit peu avant, ou parfois on n'ose pas la prendre, mais bon, il peut arriver d'ailleurs qu'il y ait contestation, j'ai vu pas mal de matchs parfois avec contestation sur un point, D'accord. sur des points, parce qu'on estime que la balle, t'as fait l'amorti, mais l'amorti tu l'as fait de mon côté, donc non, ou tu l'as fait passer l'autre côté au niveau de la porte, mais t'aurais dû attendre d'abord. Ah oui, complètement, hein. C'est sûr que c'est interdit, hein. À part en retour de vitre, on n'a pas le droit de passer la raquette de l'autre côté du filet, quoi. Bon. Ça nous offre une fin de match intéressante. Ah, même Bastien a failli y être quand même là sur celle-là, avec un grillage qui fait sortir la balle, il a failli l'avoir. Bastien a une faculté de sortir du terrain qui est assez impressionnante, et de lire les bonnes trajectoires. Je leur ai annoncé bien les fautes, je pense. On est pile dans l'axe. Ah, c'est le volet de coup droit qui est très compliqué à jouer. Oh, superbe. Très bonne défense. Il y a André Gobert là, qui nous ressollicite par rapport à cette fameuse balle qu'on doit laisser, pas laisser passer. Et qui nous dit, mais comment ça se fait que ce soit interdit? Bon, André, je pense que c'est une boutade, il nous relance par rapport à ce sujet, mais C'est André une Gobert, boutade. hein, l'un des. Bah, on interdit Oui. les équipes de passer dans le camp adverse, donc on défend tous dans la 4 d'un côté et personne en face. André Gobert qui est un.
Un joueur connu, coté, reconnu depuis 20 ans dans le paddle. Il a vu le paddle naître en France, même d'ailleurs, il l'a vu même dans le ventre. Bastien s'en sort très bien là, parce que vraiment ça arrive vite. Très belle défense. Voilà. Ah. Oh là là. Oh non! Comment? Je pense qu'il était parti pour la smatcher en espérant qu'elle touche la vitre et qu'elle s'écarte un peu. Et au dernier moment, elle a touché le grillage et elle lui est retombée pile dessus. Et avec le soleil Et avec qui le est juste soleil, ça derrière. simplifie pas. Ouais. Alors, parlant de soleil, j'ai un autre soleil qui vient d'arriver. Pauline Renvoisé. Cinq partout. Un super lob, hein. Très beau lob. Hein. Oh là là, magnifique. Sais pas s'il faut la prendre avant, la laisser rebondir, on prend le risque qu'elle sorte. Et la prendre direct, c'est très compliqué. Alors une petite faute là, hein, qui coûte cher là. Ce genre de faute là que je vous disais tout à l'heure là, qui sont à ce moment du match, peuvent coûter très cher. Ils sont pas très durs. Pour Bastien, Oh, le lob. le lob est magnifique. Voilà. Ouais. Là, ça va jouer normalement très sûr dans les bonnes zones. Il a failli la prendre sur lui. Voilà, encore une faute. Aïe, Non! aïe, c'est une faute Pardon, bon, directement. excusez-moi, mais c'est vrai qu'on a envie de voir ce match se poursuivre et on a envie de voir un troisième set. Et on voit le père Bastien. Ah, c'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure. Hein. C'est clair que là, il est dans un état où il est borderline hein, sur la lucidité. Il prend un gros risque à 0,30. C'est trop à double tranchant. Ça donne 3 balles de break maintenant. Oh, magnifique. On reprendra là. Juste, Patrick, on a lu ton message. Effectivement, on va le reprendre. Ce que tu viens de dire, effectivement, c'est intéressant. Mais là, c'est un peu chaud. Donc, on va rester sur le direct. Bon là, je pense que Rosset. Ouais. Ils ont Putain. senti là qu'il fallait jouer peut-être 5-4 Bon, pour c'est pas 6-5 un beau jeu, hein. pour le Franchement, break. là. Vraiment trop de fautes. Trop de fautes. Trop de fautes non Ouais, provoquées. ouais, ouais, ouais. Alors, pour reprendre sur le règlement, et notamment cette fameuse balle qui arrive près du filet, est-ce qu'on la prend avant ou après? Patrick rajoute un commentaire. La balle peut être frappée du bon côté, et la raquette a le droit de passer le filet de l'autre côté en fin de geste, sans toucher le filet, ni avec la raquette, ni avec le corps. Enfin, tu te démerdes maintenant, t'as voulu prendre le commentaire. Des fois, faut mieux faire style, tu as pas vu le commentaire. Non, mais là il s'agit de Patrick Fouquet et Ah. Patrick Fouquet quand même qui est devant l'Éternel et le Donc, il faut que tu prennes le commentaire. Donc, alors maintenant, tu et le coach quand même. Donc, et je trouve qu'effectivement, pour ceux qui nous écoutent, je trouvais ça intéressant de poursuivre sur son commentaire. Fort intelligent. Et voilà. Alors, Patrick Fouquet, pour information, c'est Maxime Moreau hein, qui est en train de te tailler. Je te le dis au moment où il faudra peut-être faire tes choix. Dans tes choix, sache que Max. Bon, là il parle plus, Max. Hein, donc, a priori, tu as déjà une certaine autorité sur lui. Oui. Bon, on va revenir au match parce Oui, que du oui. coup, là c'est très chaud. C'est pas vrai. Quinze zéro. Trente zéro. Moi, je pense que vous entendez Rosset. Je sais pas si on l'entend Ouais, à on l'écran. entend. On entend. Ouais, on entend un petit peu Rosset crier Vamos avec Loïc.
Voilà, et là, je pense que vous avez entendu répondre de Johan. Bon. Alors, je sais pas s'ils ont entendu, mais effectivement, on a Rosé qui dit « Bamos, Loïc !» et Joe qui répond « Ta gueule !» Ah, trop de fautes à la fin, je pense qu'il y a beaucoup de... La poignée de main est... Elle est froide. Assez froide. Ouais. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Bon, bah écoute... On va essayer de faire mieux, ça va être compliqué, parce que si Johan et Bergeron n'ont pas trop trouvé de solution, on risque d'avoir du mal aussi, mais on oui, fera parce que mieux. C'est ton tour, hein, maintenant. C'est mon tour d'y passer, donc... Bon, bah écoute, tu y passeras, mon cher, bah, bonne chance pour le match. Il y a une, voilà. Il y a une tactique, peut-être, que vous allez mettre en place contre bah, eux. Est-ce qu'il y a une tactique qui pourrait ouais, marcher, voilà, d'ailleurs, contre ouais, la tactique, oui, c'est un peu ce qu'on expliquait au début, hein, c'est qu'il faut arriver à fixer Rossé et tout, après, il faut avoir les moyens de le faire, et ça, c'est plus compliqué. Donc on essaiera de faire notre mieux. Ok, bah sinon il y a, voilà. Il y a le croche-patte d'avant-match, on sait il y a jamais. Le croche-patte aussi, ouais. Ouais. Le croche-patte ou la bière, ça marche bien. Ah la bière, les oui conseils. peut-être. Ouais. Ouais. Bah écoutez, la tactique, le match commence maintenant, voilà. Si je comprends bien. Voilà. Salut Pierre, merci beaucoup. Allez, au revoir. Ciao Au revoir. Pierre.